Salut les amis et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée Réveil d'Afrique en Guinée. Aboubacar Sidiki Diakité alias Toumba, faire étalage de son style vestimentaire au procès du 28 septembre. C'est de loin l'accusé le mieux sapé. À première vue, tout semble laisser croire que l'ex-aide de Condé Dadis Camara mène une vie plus qu'aisée. Mais selon son avocat Lassine Sylla, c'est tout le contraire. Il n'a pas un sou vaillant pour payer ses conseils. Il est devenu une sorte de star interplanétaire. Les apparences sont donc trompeuses si on ajoute foi aux propos de l'homme des droits. Toumba est tout simplement si bien habillé à cause des maisons de mode qui ont visiblement fait de lui leur égérie. Aboubacar Sidiki Diakité est un accusé comme tous les autres en raison de sa stratégie de défense qui consiste à clamer la vérité dans ce procès. Il est parvenu à s'attirer beaucoup d'admirateurs. Il est devenu une sorte de star interplanétaire. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, des maisons de couture courent par-ci, par-là, derrière M. Aboubacar Diakité. Alors, des philanthropes volent au secours d'Aboubacar Sidiki Diakité. Arrivé M. Sylar dans les colonnes de Réveil d'Afrique. Alors, quelqu'un qui est pris en charge peut-il nous prendre en charge? En clair, ce sont les maisons de mode qui habillent l'ex-aide de compte Moussa Dadis Camara. Il bénéficie ainsi de l'aide des philanthropes, selon les dits de l'avocat. L'homme en toge ne s'attend pas à être rémunéré dans ces conditions. Et bien les amis, c'est ici que prend fin ce petit bulletin d'information. Restez abonnés, restez connectés à votre chaîne. Partagez avec vos amis, amis, familles, reconnaissants aussi, vous la trouvez notamment intéressante. À très bientôt pour un nouveau bulletin d'information. D'ici là, portez-vous très bien.